peux goûter la poussière. Est-ce que tu as au moins une fonction, quand on appelle ça goût? Fonction Roomba. Ah, et Louis. Oui, je suis là. En parlant de musique, il faut absolument qu'on fasse la quête secondaire avec la fusée à Concordia. Ah oui, ouais, ça m'en vient. Est-ce qu'il nous reste des quêtes secondaires? Oui, non, elles sont à plus Concordia. Que construire une armée de robots. Oui, bah du coup, elles sont à Concordia, les quêtes secondaires. Donc, on peut y faire un saut, il y a un voyage éclair juste en dessous de nous. D'accord, et bah on se retrouve juste en dessous. Normalement, il y a le symbole qui dit où est-ce qu'on doit aller, donc... Non, mais c'est... on les a pas prises encore. Elles sont pas activées encore. Ah, vous parlez de quête secondaire, moi je parlais de la quête principale. Non, bah on fait les quêtes secondaires aussi. T'inquiète pas, elle est pas bien longue. Non, elle est pas bien longue. D'ailleurs, pas... j'ai oublié de demander, très cher Ludwig, tu as mis ton minuteur ou pas? Bien sûr. D'accord, non, c'est juste pour histoire d'être sûr, parce que sinon... Bon, qu'est-ce t'inquiète qu'on pas, fait y a pas qu'est-ce de soucis. Qu'on... Table rase, livraison à domicile, attends. Normalement, je crois que c'est celui-là. Alors, vous, on y est tous là? Vous voulez que je... Alors, fais voir ça. Ce sale traître de mérite est peut-être mort, mais j'aime aller au bout des choses. Bien sûr, je peux pas le retuer, même si j'en rêve, crois-moi. Mais je peux faire en sorte que tout le monde oublie jusqu'à son existence. Il paraît que ce vieux Huckster tenait une sorte de journal de ses exploits. Il a caché 3 enregistrements dans son bureau. Je veux les voir disparaître. Trouve-les et détruis-les. On va le faire disparaître pour de bon. Wow, sans déconner. Attention tout le monde, ça va être énorme. Ouais, putain, que ça m'excite. Tu l'auras pas là. Je sais pas ce qu'a dit Misha, des fois elle dit pourvu que quelque chose. Pourvu qu'il crève. Pourvu qu'il crève. C'est quand même une arme intéressante, l'arme qui parle. Bon, c'est pas mon type de, d'arme préférée, mais... Ce type avait un égo de la taille d'une station spatiale. Une putain de station spatiale. Et ça, c'est plutôt gros. Il est où? Il est loin de son bureau. Il est pas cliché quand même jusqu'au bout, y'a pas un petit bouton sous le bureau? Non, il doit être caché, enfin tu sais, sous le bureau, tu sais... Attends. Il y a ici, là, au niveau de la carte. Ah oui. Ah, sur l'aquarium. Oh, quel con. Allez, on va juste l'écouter une dernière fois. A plus, du con. C'est ma première journée de boulot. Je sais pas, vous approchez pas. Je vais te buter. J'ai dressé des pattes en avoir des ampoules. Esquive pas. Lâche-moi, j'ai plus qu'un PV, putain. Gros corrigeur. Ah, chier. Comme moi pour réussir à traverser ces ampoules. Quelqu'un de dur, de juste. Ouais, avec l'esprit suffisamment ouvert. Et si j'arrive un peu d'argent qui me tombe dans les poches au passage, et ben on appellera ça un financement de campagne. ça fait du bien de quitter Hyperion. Je m'y sentais comme un tout petit bois dans une très grosse machine.
Ah non, c'est pas ça, justement. Je suis un... Je suis... un requin. Tiens, c'est pour toi, regarde dans le casier. Oh, faut vraiment que je bosse sur mes métaphores. Non, ce que je veux dire, c'est que... capsule de son dans le casier. La vie est radieuse pour Huxter T. Meredith, le nouveau mérif de Concordia. Un maire et un shérif. Ah. Waouh. L'excédent de bagages en conneries, c'est pas croyable. J'ai rendu un fier service à l'univers en le débarrassant de ce salopard de traître. Tu sais quoi faire. Regardez un peu mon attirail. Il observe. Yana, oh oui. Ah, celle-là, elle est bien. Bah, tant qu'on est en intérieur, oui. Donc, il y a encore un truc à chercher. Ah, bon, alors, détruire maintenant. Alors déjà, pour ça, il faudrait rentrer dans le truc. Mais je peux pas monter à l'échelle. Balance une grenade. Mais non. Salut, Makai. Ouais. Pour réussir à le viser, je pense. Un coca. Ok, continue d'accord. À chercher. Tu vas en trouver un autre. Le deuxième se trouve là-bas. Ah, ah, ah. Sympa le... Non, il attend parce que moi aussi je passe, hein. Non, mais c'est ça, c'est qu'il il attendait que je rentre dans la pièce pour lancer ce truc. Non, cette fois-ci, ça doit être encore une fois caché comme un petit bouton. Trouver un petit bouton. Ouais, quelque chose qui ressemble à un petit bouton. Bah oui, c'est du laser corot, t'es une machine. Je flippe grave avec cette histoire de rayon géant. Lancement du séquençage. Bon bah là il va pas voir. Non merde. Il y avait trop d'explosions, j'ai pas vu. Oh non. Ah, t'as serré tellement fort les fesses, je pouvais le sentir d'ici. Non, il me restait 2 PV, il m'en restait oh, un tout à l'heure. Oh les boules. Wow. T'affrontes quelle armée. Ah, j'ai trouvé. C'est bon, nickel. C'est des bouquins en fait. Ah, c'est cliché jusqu'au bout. Hein, c'était vraiment un cliché ambulant, ce type. Ça fait un bail qu'on cache plus rien derrière des bibliothèques. Plus personne a de bouquins. Allez, on continue. Personne sait lire. Voyons ce que notre gros abruti avait sur encore Elpis, à raconter. Non. Oh lolo. Oh, il y a même une petite statuette de Moxie. Ouais. Tout se passe comme prévu. Je suis plus riche que jamais, aimé de tous et en vie. L'autre jour, Philo Simmons, le type avec la jambe bizarre, est venu me remercier pour mon travail avec la campagne de collecte de dons pour les pauvres. Me remercier, moi. Il m'a serré la main, les larmes aux yeux, le menton qui tremblait, tout ça. Je suis un saint. Mais pourquoi alors j'arrive plus à dormir? Oh, ok, j'ai pas utilisé tout le fric pour nourrir les pauvres, mais faut bien vivre. Je suis toujours le héros de la ville, pas vrai? Oh non. On vit dans un monde difficile et... Ouais. Tu me saoules maintenant, crève. La vapeur. Je peux encore changer. Bah, pareil, ça gagne pas une conscience du jour au lendemain. Il l'a dit lui-même. Ça le dérangeait pas de voler le pain de la bouche des gens. C'est vrai que les temps sont durs, mais c'est pas une raison pour être un connard. À moins d'être un peu rigolo, là ok, là ça passe. Putain, j'ai l'impression d'être le petit frère un peu chiant, tu sais, qui vient de casser les couilles, mais si jamais tu lui réponds, bah je vais chouiner parce que c'est moi qui vais prendre cher, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se plaint du fait que tu arrêtes pas d'utiliser un... Machine à sous dans son bureau? Non, ok, pourquoi pas, on peut le faire. Enfin, c'est quand même un connard. Où c'est pourquoi j'écouterais ça? Détruis l'enregistrement, tu veux bien? Je sais pas. Ça pourrait être marrant d'entendre ce qu'il a à dire. Les morts. Bien, mais bon sang, mais qui est-ce que... Putain, mais c'est pas vrai. Je vais le faire. Cette fois, t'y passes. Elle m'a forcé la trahir. Oh, cette blague. Merci, merci le magasin. Des vues de l'Ipsou. Je vais sûrement aider à tuer des ouvriers innocents. J'arrête. Je démissionne. Bon, allez, on écoute les dialogues. J'ai senti les derniers petits morceaux de mon âme se désintégrer en acceptant son fric. Mais je voulais pas mourir. Et si j'avais refusé, qui sait ce qu'elle aurait fait à Concordia? Mais j'avais les clés d'Elios.
Si je m'en vais, peut-être que Zarpedon et son armée de type violet laisseront mes concitoyens tranquilles. Je recommencerai ma vie quelque part. Je rachèterai mes fautes. Même si je sais bien que je fuis mes responsabilités. Oh, pauvre lâche. Je suis le plus gros con de la Lune. Et il y a un paquet de cons sur cette Lune. C'est moi le plus beau. Alors comme ça, Hubster rampait partout à la recherche de la rédemption. Je vais lui en donner, moi, de la rédemption. En fait, on va même l'immortaliser en chanson. Détruis pas ce dernier écho, prends-le. Apporte-le chez Moxie et donne-le à ces connards de DJ, Boom et Rang. Ils ont une dette envers moi. C'est moi qui les ai fait embaucher. Alors si on va chez Moxie, c'est moi qui prends le dialogue. Oui. Vous devez tous avoir un super respirateur, je le pose quand même. Pas celui-là, parce que c'est... Ah, il y a un truc de son, j'avais même pas vu. Je vais rester comme ça, à l'agonie. Ouais, je pense que vous en avez un légendaire là à l'heure actuelle. Non, moi j'en ai un violet que j'aime bien. Bah, je suis là. J'en ai posé un porteur si jamais ça intéresse. Non, il est moins bien. Moins bien que le mien. Bon, bah, je le reprends et je le vendrai. Du fric. Ah, mon chat, le fric c'est bien. Ouais. Bah, là j'ai l'impression que le fric c'est pas tellement un problème. Hein. Pour le moment, non. Non, ça va, franchement. Non, par avec contre, les trillions d'armes qui vont tomber par terre, aucun oui, problème. Oui, puis quand on a nos main, par contre, quand il passe son tour à mourir et qu'il perd 2 millions par mort... Ça pique, ça, ouais. Voilà. Je suis à plus de 50 millions. Hein, il devrait nous permettre d'avoir un coffre pour l'argent aussi. Tiens, un coffre qui est non périssable. Donc, Jack, on est voilà. Tu rêves d'être un casque. Bien, pendant qu'il prépare ça, je veux que tu fasses autre chose. Tu vois cette horrible statue du Mérif bien moche? Rapporte-moi sa tête, je suis en train de préparer un truc. Et je crois que ça va te plaire. Ah bah on va voir. Attendez-moi, il faut que je filme l'événement. Sa statue est moche. On va l'améliorer un peu en lui retirant la tête. Tire dessus ou je sais pas quoi. Ça va tout déchirer. Mais t'es bien sûr de toi? Oui, vas-y. Je suis à sec, faut me recharger. Maintenant, faut la récupérer. Choper au vol. Bah, tu vas adorer. Tu vois la fusée en ville? Eh ben, on va s'organiser un petit décollage bien sympatoche. La fusée? T'es bien sûr de toi, monsieur? Ouais, si ça rend aussi bien que ce que j'imagine dans ma tête, ça va faire les choux gras de la ville pendant au moins... toute l'éternité. Oh bah, reste plus qu'à la mettre sur okay. La fusée. Tu vois le pic au bout? La fusée a besoin d'une nouvelle proue. Grimpe là-dessus et va me décorer ça. Parfait! Sa tête de rat va s'écraser sur la première saloperie qu'on visera. En parlant de ça, rentre des coordonnées de destination pour le vaisseau. Je sais pas, Pandore, par exemple. Y a pas un trou du cul qu'on pourrait viser sur cette planète? Enfin, un autre trou du cul, je veux dire. On va voir. Okay, allez, et c'est parti. Je crois que tout est prêt, les enfants. Silence. C'est dommage qu'on ait pas une bouteille à éclater dessus pour le baptême. Mais tant pis. Au revoir, Clappy. Décollage. Au revoir, Clap. Adieu. Ouais, faut pas qu'on oublie l'ambiance. Eh, hey, DJ Guignol, balancez-moi ce remix. On se prépare pour Borderland 2. Adieu, adieu, compagnon. Au revoir. C'est un plaisir de vous connaître. Ah non. C'est bon. Et c'est parti. Je suis le plus gros con de la Lune. C'était génial. Et je vais pas te mentir, hein. Je suis assez fier de moi. Je me demande comment c'est sur Pandore. Voilà, dans le genre connerie, celle-là, elle plaît. Tu sais quoi, c'est là où t'apprécies Jack. C'est bien sympa d'anéantir des gens. On devrait recommencer à l'occasion. Je nous envoie sur la principale. Bah, il en reste. Non, il reste encore des quêtes secondaires, alors on fait les quêtes on secondaires. On va faire celle de Nina comme d'abord. Vous le sentez, Tu veux alors, vraiment les faire dans un certain ordre. Hein. Ah, attends, oui, c'est ça, il faut parler. L'infirmière. Ah oui, Nina. Ah oui, Nina recherche un partenaire de vie. Oh, oh là là, je la sens spéciale. Ah oui, t'as pas idée. Non, pardon, c'est pas ça. Nina a besoin partenaire de relations amoureuses. J'ai choisi trois. Comment toi dire, candidat. Mais eux pas savoir encore. Prends fleur et prends carte sur table. Nina, quoi? Envoyez les coordonnées. Toi, trouver premier candidat. D'accord. Elle veut la jouer carte sur table. Ah non, mais là, c'est cette quête, elle est, mais c'est horrible. On joue les. Comment ça s'appelle ceux qui font justement. Les entremetteurs. Entremetteurs, voilà, là, on va jouer les entremetteurs donc. Triton.
Bonjour. Tu t'appelles Triton ? Non, non, c'est juste que j'ai atterri devant toi en sautant comme un dingue, donc... Ah. Alors comment il se la pète avec son pilonnage de glace ? Bah si tu veux tout savoir, je sais même pas comment j'ai fait pour avoir le pilonnage de glace. Bah c'est ton kit oxygène qui est équipé en élément de glace. Bon alors le premier est... par là. Là. Il doit être à l'intérieur. Fouillez les maisons et si vous voyez du monde qui nous tire dessus, vous tirez en premier. Bien sûr. Lui, joli visage. Donnez chocolat et fleurs. Qu'est-ce que tu veux, chasseur de l'arche? Mais il est où? Il est... La merde alors. Ah, là-haut. Bah je crois. Attends, il est où? Bah il est où notre prétendant? Eh t'es où, tête de... Tête dans l'autre baraque? Je suis pas sûr, mais de mémoire il sortait pas par cette porte et que ça a bugué. Non, quand même, non, même pas. Je pense pas que ça ait bugué parce que sinon. Bah, j'ai jamais eu, jamais eu de vrai bug moi sur Pré-Séquel alors. Attends. Il est là. Ah j'arrive. Attends-moi. Il est là. Il est sur le balcon. Ah il est sur le balcon. Tiens, c'est de la part de l'infirmière Nina. Si tu veux bien le croire. La petite infirmière Nina? Oh, ça alors, j'aurais jamais cru. Est-ce que je rougis? Je rougis, c'est ça? Oh, dis à Nina que je passerai la voir bientôt. Maintenant, tue-le avec glace pour tester chaleur. Attends, de j'en son ai un, amour. J'en ai un. Hein? Attends. Pas si je te tue d'abord. Bien joué. Était joli, mais trop faible. Nina avoir oublié de dire, toi tester les candidats, ok? Si eux assez costauds pour supporter tout l'amour de Nina, ils survivent. Va voir candidat numéro 2. Oublie ta carte et fleurs. Ah oui, faut les ramasser. Ah oh, pardon. Chargez. On va encore se téléporter. Non, ça va, là, t'étais pas visé. Non, je pense après, que si surtout, tu il te mets devant mon viseur. Alors, le deuxième candidat. Il faut se rendre encore à une autre zone. Et vas-y donc. Attends, ce serait pas là-bas, là. Bah, lave de la crise, je me rappelle plus. Peut-être, je sais plus. Ah là là. J'entends des tirs. Alors, je suis pas loin d'un. Bah, je pense que c'est la zone d'à côté, mais je sais pas si ça va nous aider. Allez, au canyon des terres éloignées. Voilà. Ah là là. Après, c'est sympa de voir durant les chargements les armes que tu peux avoir. Oui, tu peux voir les armes, les boucliers, les modes, tout ça. Ouais, justement, c'est ce que je veux dire, c'est que t'as. Les gens. Tu te fais une petite idée de la tête qu'elles ont. C'est ça. Tu sais, c'est comme ceux qui font ce jeu de jackpot là avec les armes de. Ah! De ce jeu là qui est hyper populaire là. De Counter-Strike? Voilà, c'est ça. Tu vois le délire. Tu vois, les gens adorent regarder apparemment les armes et les acheter alors que c'est que du virtuel, mais bon. Ah, chacun leur délire. Il est là. Bah, air costaud. On va l'attendre un peu. J'espère. Enfin, on va nettoyer d'abord pour pas te gêner. Attention, claptrap.net. Putain de connard! Je vais faire bouffer ton propre cul en sandwich! J'ai le rythme dans les circuits! On a encore un. Je balance tout, ouais! Voilà! Allez! Allez, mini-moi! Donne! C'est moi qui. Non, allez, je vais donner. T'as tapé dans l'œil de l'infirmière Nina. Elle m'a chargé de te donner ça. Nina! J'aurais même pas te dire combien de fois elle m'a rafistolé! J'ai toujours espéré en secret, mais j'aurais jamais. On va voir avec les armes de glace ce que ça donne. Maintenant, tue-le. Utilise arme corrosive pour tester corrosive, la résistance j'en ai de son amour. Yeah, fais tout péter. Enfin, je vais te tuer. C'est bien, ouais. Bah, Nina déçue. Voix de l'amour pleine de gros cailloux. Pas facile. Bravo! Toi, tu es les deux premiers candidats.
C'est peut-être toi qu'il faut à Nina. Non, plan de Nina sans faille. Trouver le troisième. Ramasser candidat. Les fleurs par contre. Pas oublier cartes et fleurs, ça a coûté argent. Oh merde, pardon. Ah ouais, je m'en occupe, je suis resté loin donc. Ça va, nickel. Ça va, sinon, par ça. Yes, oui. Mais quoi, je suis à terre, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ah là 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 là. Le troisième candidat est par là. Attends, ce que là. Arrive. On finit là d'abord, faut qu'on finisse de nettoyer. Allez, allez, on fonce. Oh, copain! Copain je volant! Suis... Grenade ou... Copain volant! Oui, ah, je suis... Ah. Je suis en mode zéro trap. Vraiment nul. Ah, et quand je suis loin, en fait, j'ai pas les effets de l'ultime de Claptrack, j'ai l'impression. Oh, celui-là, je pense pas qu'il soit partagé, à moins que tu sois invisible comme moi, mais... Bah. On a des torques au cul. Allez, pas grave. Attention, entrez dans une atmosphère positive. Bonjour. Ok, c'était quoi ce truc? C'était un brutal chargé. Sympa. C'est comme ça. 78 trucs de lune là. Ouais. C'est bon ça. Je vais le faire crier ce brutal. Un brutal. Un petit pillard brutal. Vas-y. Claptrap.exe. Recharge. Maintenant j'ai faim. Ah bon? Ah bah quand on parle de sandwich. Attends, on nettoie d'abord quand même, ça serait bien. Ouais. Bah la zone est vaste donc de toute façon. Ah mais là, il y a, c'est qu'en fait... L'attendant, il faudra aller tout en haut. Ouais. La justicière va faire son boulot. Putain de connard. Je vais te faire bouffer ton propre cul en sandwich. Normalement elle est au centre. Ouais, elle est dans votre direction, tout à fait. Comment on fait pour monter? Là. Attends, de mémoire, ouais, c'est ça. Non. Ah non, c'est... Attends. Pour moi, t'en as une plus proche autour de la station. Ouais. Y'a pas moyen un peu de tricher? Si, si. Ah, elle est là, c'est bon. Ah, c'est la Vaillevra. Ah, voilà. Il y avait un geyser de ce côté. Et comme j'ai fait le premier et que Horadès a fait le second, Ludwig, ce serait à toi de parler au troisième prétendant. Allez, ça marche. Ça, chacun. Je fais. Ah, yes. Ah putain, mais. N'hésitez pas à switch d'armes. Non, au contraire. Vous allez conserver vos munitions. Au contraire, regarde. C'est pour ta gueule, couillon. Moi ça me va. Ah ok, pourquoi pas. Sauve Valmar. Ah. Comment dire? C'est bon. Allez derrière. Ouais. Oui, Pierre Luna. Encore là-haut. Brutal aussi. Le seul brutal qui est ici, c'est moi. Yeah. Oh là là, mais j'ai une mémoire de merde. Oh, faut pas t'en vouloir. Dans ce bâtiment, sûrement. Faut pas t'en vouloir, t'es un claptrap. Ah ouais. Oui, il est là, je le vois. Il nous attend. En plus, j'ai pas de SSD, je mets du temps avant de démarrer. Lol. Oh, toi, voir ses mains. Puissante. Alors là, normalement, c'est électrique. Hé, occupe-toi de moi. On se connaît, non? Je peux faire quelque chose pour toi? Attends, je vais voir si j'ai de l'électrique. Oui, j'ai de l'électrique, c'est bon. Je lui donne, okay, c'est parti. Ben, dis-lui que c'est gentil et tout, mais je suis pas intéressé. Soit c'est ça, soit c'est l'explosif. Il refuse amour de Nina? Flamme, tu feu. Tue-le avec flamme, flamme feu. Pour faire sentir ma colère. Je vais pas me laisser faire. J'ai pas des autres. Oh, non plus.
Attends, stop, plus lui faire mal. Lui, trop beau et trop fort. Et avoir voix comme chant des oiseaux de mon pays. Nina, j'ai toujours été fou de toi. T'es mortel, au propre comme au figuré. Je voulais juste être bien certain que c'était du sérieux. Et la plus belle preuve d'amour, c'est quand même la tentative de meurtre. Viens voir, Nina. Elle va retaper toi. Je serai là en moins de deux. À tous, Colombe. Merci, chasseur de l'arche. Je te dois beaucoup. J'ai toujours eu un faible pour cette petite fleur de printemps. Tu sais... Et je crois qu'il va mourir, là, vu tout le sang qu'il perd. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Nina va le rafistoler. Je gardais toi en vie, qu'elle disait. Allez, merde! De toute façon, c'était qu'une petite bite! Fléau, tu n'en penses pas! Pense pas! Allez. Il y a plein de trucs qu'on laisse quand même derrière nous. De quoi tu parles? Bah des armes, des trucs comme ça, j'en vois plein au sol. Ah non, je vous les ramasse, après si vous voulez... Bah le problème c'est que moi tu vois par exemple j'ai pas un inventaire ultra grand. Tu vas chez Earl avec les pierres lunaires que tu as et tu achètes de l'espace d'inventaire. On aurait pas dû prendre un truc de déplacement rapide. Oui, si mais pas... Oui bon on va voir après si... Ah, oh, c'est toujours rigolo de, tira- de demander à Valmar de sauter ça avec un stingray. Non. Ah. Non, non, non. Si, si. Non, non. J'étais bon, en mise à jour ce jour-là, il s'est passé quoi? Vas-y, raconte. Rien, il a appris comment on se sert d'un stingray. Ah oui, là. Non, 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 je n'ai pas appris, je... Ouais, malheureusement, ah, je peux pas bon, te prendre avec moi sur un buggy, ça marche pas. Je vais au voyage éclair et je vous emmène. Voilà, c'est ça, exactement. Pendant ce temps-là, moi, j'admire la beauté du paysage. Puisque visiblement, bon, c'est des choses qui ont pas l'air de vous... voilà, de... Vous avez ah, pas l'air... La conduite par les sens, c'est... Autant le buggy, tu vois, j'ai commencé un peu à m'améliorer. Autant le Stinger, là, encore, c'est un truc que je... Ah, c'est spécial. Ah, c'est spécial, hein. Puis l'inertie, ouais, hein. L'inertie est pas du tout la même. Après, j'adore la station, comment elle est... Je sais même pas si, en fait, elle est dans un état normal ou si, en fait, elle a des morceaux qui ont été détruits. Elle est en cours de construction. À l'époque, Hyperion n'était pas encore. Elle venait tout juste d'être lancée, et elle a été construite sur le tas. Et en parallèle, ils se sont fait attaquer par Dals, qui a peut-être détruit un peu. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu entends Jack au début, il comprend pas pourquoi en fait ils attaquent. Ce qu'il dit, on a même pas de soldats ici, des ouvriers. D'accord. En fait, c'est... Mais elle doit servir à quoi cette station au final? À la base de l'observation. Voilà. D'accord. Et à la base. De la recherche. À la base. Mais comment j'ai atterri? Parce que l'œil d'Hélios, c'est pas un but scientifique, hein. C'est ça. Allez, regarde. Allez, vas-y. Vas-y, rends. A plus, du con. Merci, chasseur de l'arche. Peut-être toi trouve l'âme sœur et toi presque la tuer aussi. Un jour, une multiprise, peut-être. Oh, hey, je suis le meilleur. Parle. Non, mais parle au bonhomme.